macabre découverte de la police dans un hôtel du centre de Los Angeles, le corps a été trouvé dans le réservoir d'eau de l'hôtel. Il s'agit d'une touriste canadienne âgée de 21 ans, Elisa Lam. En direct pour les dernières nouvelles sur cette mort mystérieuse. Je viens juste d'avoir au téléphone le bureau du coroner. Il parle de procéder à une autopsie dès demain. Ça devrait être un élément important pour dénouer cette énigme. Quelle découverte bizarre a été faite hier? Je vais vous montrer quelques images. Les pompiers sont sur le toit de l'hôtel. Le corps a été retrouvé dans une grande citerne d'eau. Les personnes séjournant à l'hôtel se sont plaintes de la faible pression de l'eau. Un ouvrier de la maintenance est allé vérifier et a trouvé le corps nu d'une femme d'une vingtaine d'années au fond d'un des réservoirs d'eau. Des techniciens et des pompiers ont utilisé une scie pour pratiquer une ouverture en fin de vie dans la citerne et enlever le corps. Il a été identifié. Il s'agit de Lisa Lam, âgée de 21 ans, qui est de Vancouver, Canada. Elle a été vue pour la dernière fois le 3 janvier. La police n'a pas de suspect, mais n'écarte pas un jeu qui aurait mal tourné. Ce qui est vraiment intéressant est que des enquêteurs avaient fait des recherches approfondies dans l'hôtel, y compris sur le toit il y a 3 semaines. Ils ont utilisé des chiens de recherche. Pour accéder sur le toit, il faut passer une porte verrouillée qui est protégée par un système d'alarme. Seuls les employés ont une clé. On peut aussi utiliser la sortie de secours. Un résident dit qu'il a entendu une sorte de bruit ou d'explosion provenant du toit la veille de la disparition. Then the following day, the water system was all plugged up. La vidéo de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel nous montre Elisa appuyant sur les boutons de l'ascenseur. Elle se cache et semble avoir peur de quelqu'un dans le couloir. Puis à un moment, elle agite ses bras. Nous savons qu'elle est venue à elle à environ 4 jours avant d'être portée disparue. Not quite sure why she came here or whether she visited anyone here. Come back here live to the pictures. Pourquoi est-elle venue résider ici? A-t-elle visité quelqu'un? Vous pouvez imaginer la frayeur des résidents due à cette découverte et du fait que le département de la santé a aujourd'hui testé l'eau pour écarter tout problème biologique. Les habitants sont très choqués par tout cela. Quant aux enquêteurs, ils ont beaucoup de questions et peu de réponses. Vous devez avoir aussi beaucoup d'interrogations. La question que se pose tout le téléspectateur est de savoir si elle est rentrée à l'intérieur par elle-même ou si elle a été poussée. Oui, quand vous pensez à tous les obstacles pour monter là-haut, vous devez passer par une porte verrouillée. Il y a un système d'alarme qui avertit l'hôtel si quelqu'un monte sur le toit. C'est vrai que c'est très étrange. Merci, Eric.
Plusieurs mystères planent sur cette affaire. Divers éléments sont troublants mais restent dans le cadre d'une enquête policière. Plusieurs vidéos du net au contraire y voient une intervention surnaturelle ou un cas de possession. Nous allons étudier cette affaire et même si nous n'arrivons pas à faire toute la lumière, nous en écarterons les théories ténébreuses de certains amateurs de surnaturel. Elisa Lam est née le 30 avril 1991. Elle était étudiante à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver où elle a passé plus de temps en dépression chez elle que sur les bancs de l'université. Ce voyage a sans doute été programmé dans une phase d'euphorie avec une forte envie de décompresser. Elle part de chez elle en janvier 2013 pour un voyage sur la côte ouest des États-Unis. Elle parle sur son blog de s'arrêter à San Diego, Los Angeles, Santa Cruz et San Francisco. Elle arrive en train à Los Angeles le 27 janvier. Elle s'installe à l'hôtel Cecil. Le 31 janvier, alors qu'elle doit passer une dernière nuit dans l'hôtel avant de se rendre à Santa Cruz, elle ne donne plus aucun signe de vie à sa famille qu'elle appelait tous les jours. Ses parents alertent la police et se rendent sur place pour suivre les recherches. Les employés de l'hôtel mentionnent qu'Elisa était seule durant la journée du 31 janvier. La gérante d'une librairie du quartier affirme l'avoir aperçue alors qu'elle achetait des cadeaux pour sa famille. Elle lui a semblé de bonne humeur, même un peu extravertie. Dans les jours qui suivent, la police va fouiller l'hôtel avec des chiens sans succès. Incapable de la retrouver, elle fait appel aux médias qui diffusent un avis de recherche. Elle sera retrouvée morte dans une cuve d'eau située sur le toit de l'hôtel le 19 février par un technicien de l'hôtel, qui était monté vérifier les cuves après que plusieurs clients se soient plaints que l'eau avait une drôle de couleur et mauvais goût. Ce qui va rendre cette affaire mystérieuse est la vidéo de l'ascenseur où l'on voit Elisa avoir un comportement des plus étranges. Après une courte enquête, nous avons appris qu'Elisa souffrait de bipolarité et de dépression. C'est une maladie qui, dans sa forme la plus typique, comporte deux phases, la phase maniaque et la phase dépressive. Entre les deux pôles, la personne qui souffre de maladie bipolaire retrouve un état normal. La phase maniaque se définit comme un épisode d'excitation pathologique. Le sujet qui en souffre est hyperactif et euphorique, inhabituellement volubile et fait de multiples projets. Il peut présenter divers troubles comportementaux, perdre toute inhibition ou engager des dépenses inconsidérées. La phase dépressive est en quelque sorte le miroir de la phase maniaque. Le sujet présente des signes de grande tristesse, il est ralenti et n'a goût à rien, parfois il veut mourir. Les formes les plus sévères sont qualifiées de mélancoliques. Le danger principal de cette maladie est le risque de suicide. Ces troubles du comportement dans l'ascenseur peuvent être facilement expliqués par sa maladie. Observez la vidéo. Elle appuie sur toutes les touches de l'ascenseur, même celle de son étage provoquant le verrouillage de la porte. N'étant pas consciente que ce dysfonctionnement vient d'elle, elle semble rentrer dans une phase paranoïaque.
Quittant l'ascenseur, elle a sans doute utilisé les escaliers. Nous ne savons pas pour quelle raison, mais elle a fini sur le toit de son hôtel. L'autopsie de son corps a été faite par Jason Tovar et Lily Wang. Elisa est morte noyée. Il semble qu'elle n'a été victime ni d'un viol ni de quelconque violence. Rien ne laisse penser qu'elle a voulu se suicider. Les tests toxicologiques n'ont rien révélé, ni alcool, ni drogue ou toutes autres substances en dehors de son traitement. Il semblerait qu'Elisa soit morte accidentellement. Nous pouvons imaginer qu'elle a sans doute voulu, on ne sait pour quelle raison, se baigner dans une des cuves. Elle s'est déshabillée et est rentrée dans cette dernière remplie aux trois quarts. Elle n'a pas pu en ressortir et s'est noyée. Elle était nue, ses vêtements et ses clés gisant à proximité. À cette époque de l'année, les températures d'une quinzaine de degrés n'expliquent pas l'envie de se baigner. Au vu de la vidéo de l'ascenseur, est-il besoin de rechercher des raisons logiques à son acte? La cuve était accessible par un petit toit surplombant cette dernière. Du haut de son 1m52, elle a pu se laisser glisser sur une des cuves. Pour l'accès au toit de l'hôtel, il semblerait qu'il y avait un accès de secours. De plus, pouvons-nous être certains que la porte donnant sur ce dernier était bien fermée à clé? Pour ce qui est du système d'alarme de la porte, se déclenchait-il si la porte n'était pas fermée à clé, ou juste s'il était forcé? Nous laisserons les apprentis Sherlock continuer cette enquête policière. Notre but était juste d'écarter les théories les plus farfelues qui sont légion sur les forums, vidéos et qui ont même fini par inspirer un film, Dark Water.